Yo tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation. Donc aujourd'hui les amis, on va goûter la pizza Dominox. Pour ceux qui savent pas ce que c'est cette pizza les amis, c'est tout simplement Inox Tag. Il est en partenariat avec Domino's et du coup ils ont créé la pizza Dominox. Avant de goûter cette pizza les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas également à liker cette vidéo. Bref, je me souhaite une bonne dégustation, c'est parti. Bon du coup les amis, la pizza se présente comme ça. Donc en vrai elle a l'air grave bonne de ouf. Niveau odeur, en vrai, ça sent hyper bon. Alors pour la composition, les amis, tout simplement, on est sur une base crème fraîche. Il y a également des champignons de Paris, du fromage de chèvre. Pour finir, du poulet rôti. Du coup, à première vue, on dirait vraiment une pizza chèvre-miel. Mais je sais pas si ça va être pareil niveau goût, parce qu'il n'y a pas de miel, tout simplement. Et en plus, moi, c'est ma pizza préférée, la chèvre-miel. Donc à mon avis, celle-là, je vais plutôt bien l'aimer. Bon, petit bémol, il y a des champignons et je déteste les champignons. Donc je sais pas ce que ça va donner. Bon les amis, c'est parti, on va goûter cette pizza de Dominox. Du coup, 3, 2, 1, attention, premier croc. Il y a quelque chose. En vrai, il y a quelque chose. Le fromage de chèvre est hyper fort. Donc, tu sens beaucoup le fromage de chèvre. Par contre, du coup, je pense que ceux qui kiffent pas trop le fromage de chèvre, vous allez détester parce qu'on sent vraiment, vraiment beaucoup le fromage de chèvre, je trouve. Mais pour ma part, je kiffe. Du coup, je vais goûter une part sans champignons pour voir s'il y a une grosse différence ou pas. Bon, du coup, comme elle est petite, je vais essayer de la taper en un croc. En vrai, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Bah, du coup, il n'y a pas de différence. Même avec les champignons, c'est bon. Donc, pour quelqu'un qui n'aime pas les champignons, en vrai, c'est cool. Bon, je vais finir ma dernière part et après, je vais vous dire ce que j'en pense de cette pizza. Bon, les amis, j'ai maintenant terminé cette pizza. Bon, je vous avoue, j'ai laissé 2-3 croûtes parce que bah, ce midi, j'ai déjà mangé. Et juste après, du coup, je mange ça. Donc, c'est déjà pas mal que je l'ai terminé. Du coup, les amis, cette pizza, franchement, elle est très bonne. Si je peux vous donner un conseil, du coup, bah, c'est de peut-être la goûter. Voilà, n'hésitez pas à aller la goûter. Elle est disponible jusqu'au 16 mars. Donc, c'est vraiment une édition très limitée, les amis. Donc, n'hésitez pas à aller à Domino's directement après avoir vu cette vidéo. Bon, du coup, les amis, pour la pizza Dominox, je vais lui mettre une note de 8 sur 10. Parce que en vrai, elle est pas mal. Mais j'avoue, en vrai, pour qu'elle fasse un 10 sur 10, un petit peu de miel dessus, ça aurait été nickel. Mais bon, après, on n'est pas sur une pizza chèvre-miel de base. C'est la Dominox pizza. Bon, bah, du coup, voilà, les amis, petite vidéo dégustation terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Sur ce, les amis, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!